وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit: le fait de chercher ce qui est supérieur à nos besoins dans le halal, dans le licite, est un châtiment par lequel Allah a éprouvé les gens du tawhid, les gens du monothéisme. D'ailleurs, Allah a loué dans le Coran les gens qui sont au juste milieu dans la dépense et qui se suffisent de leurs besoins, en disant, dans le sens des versets, ceux qui, quand ils dépensent, ni ils ne gaspillent, ni ils ne resserrent, mais ils sont au juste milieu entre les deux. Le dunya, ce bas monde, son halal, c'est des comptes à rendre. Et l'illicite, le haram de ce bas monde, c'est des châtiments qui nous attendent. C'est pour ça qu'elle n'a pas la valeur auprès d'Allah d'une aile de moustique. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit, si ce dunya avait la valeur d'une aile de moustique auprès d'Allah, il n'aurait pas donné à boire une gorgée d'eau aux mécréants. Un dunya, Allah la donne ou le donne, ce bas monde, à ceux qu'il aime ou à ceux qu'il déteste. L'augmentation de ce bas monde n'est pas une preuve de l'amour d'Allah, mais ça peut être un châtiment même. Alors que la religion, la science et la bonne compréhension de l'islam et la bonne pratique, Allah ne le donne qu'à ceux qu'il aime. Celui à qui Allah veut du bien, il le rend versé dans les sciences de la religion. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, il lui rajoute de l'argent. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.